Good morgen, allez, Idan et Sus, aujourd'hui, il est le Nishmat, Rachel Rachel Batsara, Janine Ruth Bat Fortune, Mazal Frit Nalia Chaya Bat Mazal Tov, Lucette Matrena et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Maseret Kitin, Perikbet Mishnah Vav, Kibel Akatan Vehigdil Cheresh Venit Pakach, Souma Venit Patach, Shote Venit Tafa, Nochri Venit Gayar Pasoul, Aval Pikach Venit Rarash, Vechazar Venit Pakach, Patouach venistama vechazar venit patach, shafui venishtata vechazar venishtafa, kasher. Zaklal, kol shetrilato vesofo bedaat. La Mishnah qui continue directement le sujet de la Mishnah précédente, on avait vu des personnes qui n'étaient pas aptes à apporter le get de Khutzlaretz ou tout simplement d'apporter un get parce qu'ils ne sont pas bardaat. Vous vous rappelez, on avait parlé, en fait, on avait deux groupes. Il y avait Cheresh Shoteh Vekatan, le sourd, le fou et l'enfant, qui ne sont pas aptes à être eux-mêmes des shlichim pour accomplir des missions qu'il faut du dat. D'accord ? Il faut avoir une conscience, bien être, bien assis dans ses esprits. Et de ce fait, le katan, Rechete et Katan, ne sont pas aptes à faire ces shlichouyot. On avait vu aussi deux choses différentes, qui étaient l'aveugle, que lui ne peut pas porter un guet de Khutzlaretz. Parce qu'il ne peut pas dire Befanei Nirtav, l'aveugle, il a un parfait cerveau, il n'y a aucun problème, son seul problème, c'est qu'il ne peut pas voir les choses pour témoigner. Et même s'il va entendre qu'on a gratté du papier, allez savoir si on ne l'a pas embrouillé, qu'on a donné autre chose. Donc du coup, on ne peut pas se fonder sur l'aveugle pour son témoignage. D'accord? On a à présent, dans notre Mishnah qui va nous dire, Kibel Akatan Veigdil. Imaginez maintenant que l'enfant, il a reçu le guet quand il était petit, il était 2 semaines avant sa bar mitzvah. Et le temps qu'il arrive ensuite, il est déjà devenu bar mitzvah. Igdil, Niagadol, il est devenu grand. Cheresh, Venit Pakar, il était sourd au moment où il a reçu le guet, c'est vrai. Mais maintenant, ses oreilles marchent, et on remarque que maintenant, il fonctionne bien, il a une bonne communication avec l'entourage. Ou encore, Souma, Venit Pakar, il a pris le guet quand il était en Khutzlaretz. Il était aveugle. C'est vrai, mais aujourd'hui il arrive et aujourd'hui il a retrouvé la vue. Ou encore, Shote Venishtapa, un fou qui est devenu normal, il a récupéré ses esprits. Ou encore, même mieux que ça, Nochri Venitgaïa, on avait vu que même le Goy, il était inapte à être Shaliach. Imaginez que maintenant, il est venu ici, il est d'abord parti faire sa conversion, parce qu'il voulait devenir juif, et ensuite il dit, ah, à propos, quand j'étais en Amérique en train de venir, eh ben, on m'a donné un guet à transmettre. Est-ce qu'ils peuvent le donner? La réponse, elle est pas soul. Ils sont tous inaptes à donner le guet, parce qu'au moment où ils ont dû recevoir la shlichut, où ils ont été nommés shaliach, ils n'étaient pas aptes à prendre cette shlichut. D'accord? Maintenant, logique. À la fin, la Mishnah va nous donner une généralité. Pour le moment, on avance encore avec une deuxième situation. Cette fois-ci, c'était un peu plus complexe, c'est qu'il y a eu Aval Pikar, Venit Rarash, Vechazar, Venit Pakar. On avait quelqu'un qui entendait bien. Venit Rarash, il est devenu sourd et au point de perdre ses esprits, d'accord, plus de communication. Et puis après, il récupère, Nit Pakar, il a récupéré de nouveau son audition. Ou encore, Patouar, Venisama, Vechazar, Venit Patar. Il y avait quelqu'un qui voyait bien. Il est devenu aveugle et puis après, il a récupéré sa vue. Ou encore, Shafouy, Venishtata, Vechazar, Venishtata. Il y avait quelqu'un qui était né dans ses esprits. Il a passé ensuite un petit épisode délirant, il est devenu fou, il a perdu la boule. Puis après 2 semaines, il a récupéré ses esprits. Et maintenant, on parle du cas où il a été nommé lorsqu'il était bien. Et aujourd'hui, il est bien. Et puis, il a eu un petit moment trouble au milieu, en deux mots. Est-ce qu'il est cachère ou pas? La Mishnah me dit bien sûr qu'il est cachère. Parce que si depuis Zach, là, c'est la généralité. Kol shetrilato vesofo bedat. Si au moment où il a été nommé Shaliach, et au moment où il va transmettre, il y a ici quelqu'un de bardat pour la nomination de la shlichut, ensuite pour l'accomplissement de la shlichut, même si au moment où il y a eu un petit trou noir, dans la mesure où on sait que c'est la suite de ce get, qu'il n'y a pas de problème, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on peut donner, il est apte à être shaliach pour donner le get. Avec une petite précision quand même, c'est qu'il y a une phrase un peu fausse, une phrase fausse dans la Mishnah, qui est en fait sur l'aveugle. On avait expliqué que l'aveugle, le problème de l'aveugle n'est pas d'être il n'a aucun problème dans son esprit, l'aveugle. Le problème de l'aveugle, il est qu'il n'a pas vu la... Le problème de l'aveugle, il est qu'il n'a pas vu la scène. Il n'a pas vu qu'on a écrit.
De ce fait, s'il a vu qu'on a écrit le guet et qu'après il a perdu la vue, aujourd'hui il est apte à porter le guet, même s'il ne récupère pas, il est apte à récupérer le guet, même s'il ne récupère pas sa vue aujourd'hui. Donc en fait, quand il y a marqué que Patouar, Venistama, Vechazar, Venit Patar, qu'il voyait qu'après il a perdu la vue et qu'après qu'il a récupéré la vue, c'est pas la peine de dire qu'il a récupéré la vue, même s'il n'a pas récupéré la vue, il est encore caché, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Veseelah.